Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tutoriel sur des petites fleurs en dentelle qu'on m'a demandé. Donc, voici une que j'ai faite. J'en ai fait en noir, j'en ai déjà fait avec de l'organza. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle dentelle, même celle d'Axur qui fait un petit peu plastifié. J'ai déjà testé, elles vont être un peu plus dures sur la fin. Mais c'est possible d'en faire avec. On peut utiliser aussi des rubans. Donc là, moi, je vais vous en proposer une avec ce genre de ruban. Qui fait un petit peu effet grillage. Voilà. Pour faire une fleur en dentelle comme ça, il vous faut 12 morceaux de dentelle. Donc, des formes carrées. Bon, moi, enfin, un peu rectangulaires, mais c'est pas important si c'est pas très régulier. Et une base. Donc j'utilise cet appareil pour avoir ma base. Donc, et votre pistolet à colle. Donc pour. Alors est-ce qu'il est chaud? Oui. Pour faire une fleur. Donc, je ne vais pas très bien l'expliquer. Donc vous regardez comment je fais. Je plie en deux avec un peu de colle. Hop, je plie comme ça et comme ça. Voilà, et on fait ça plusieurs fois. Donc on fait une première ligne avec six pétales. Bon, faut s'attendre à avoir les doigts de plein de colle à la fin. Donc je remonte le pliage. Un petit point de colle. On plie une fois en deux pour faire un triangle. Et après un deuxième point de colle. Et on rabat les deux côtés. Ça brûle, ça colle. Hop. Donc là j'en ai déjà mis quatre. J'en remets deux ici. Désolé, c'est le pistolet qui tombe à chaque fois. Des fois, je ne remets pas de points parce que ça tient bien déjà. J'en ai mis beaucoup avant. Et 6. Donc, on pourrait s'arrêter à une première rangée. Mais là, moi, j'en mets deux rangées. Donc, hop. La deuxième rangée, je la mets un petit peu en décalage par rapport à la première. Je vais vous montrer. Donc, on plie en deux. Et on rabat de chaque côté. Hop, et en décalage. Je vais finir les dernières pétales et je vous reprends juste après. Donc voilà, une fois toutes les pétales collées, ça fait ça.
qu'il y a deux rangées de 6. Et la deuxième rangée est en décalé par rapport à la première. Pour finir, voilà, derrière, en dessous, il y a le chemin. Pour finir, on peut coller en centre soit un badge. Bon, là, il fait un peu gros, mais si vous prenez des carrés plus grands, la fleur, elle va être plus espacée. Ça peut le faire, comme là, ça pourrait être joli. On peut utiliser des diamants. Des petites fleurs, comme ça. Des petites perles comme ça, comme j'ai fait pour là, un peu. Désolée, j'ai plein de colle sur les doigts. Ou des grosses dots. Comme ça. Après, il y en a des plus... Comme ça, je ne l'ai pas encore montré. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi dessus? Peut-être des comme ça. Voilà. Non, celui-là, juste là, il est en train de me passer les perles. Celui-là, on a déjà mis. Comme ça. Des camés aussi. Voilà. Et puis, ça fera un joli petit embellissement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.